Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est Mika, pour ma part, ça va super bien les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle petite vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour les plus grands et les plus impatients. On se retrouve en sapeur-pompier du coup aujourd'hui. Donc la petite caserne, la moyenne caserne du coup de la grande région du coup. Donc il y a la toute grande, il y a la petite près de la plage du coup. Il y a la moyenne qui est au niveau de la petite commune, de l'autre petite commune, et là nous sommes déjà sur un gros bâtiment pour le coup, déjà fort intéressant pour cette caserne là. Du coup, je vais vous faire un petit tour des hangars du coup. Donc ici nous avons le dernier Mercedes du coup, celui-là vous le connaissez, le petit master de chez AGA Modding pour le coup. Nous avons, je vais mettre la vitesse au grand V. Petit C5 du coup. C8. Donc en voiture de liaison du coup. Petit FPT, hein, voilà, prenez-le comme vous voulez. Petit EPA, pour le coup, assez joli. Vous la connaissez aussi. Petit VSR pour le coup. Là. Ici pareil, hein, VRS du coup. La même fonctionnalité que lui, mais en différent. C'est plutôt un véhicule de signalisation et de balisage hein, pour le coup. Petit poste de commandement du coup. Et à côté, nous avons le du coup le grimpe. Voilà. Pour ce qui est des véhicules, on va juste aller remplir le camion. Je vous mentir, on l'a pas rempli encore. Je ne sais pas si d'ailleurs il se remplit celui-là, non, je ne pas. Au moins c'est réglé. Et voilà. Du coup, petite caserne quand même fort sympa. Et moi j'aime bien. Donc dès qu'il y a une petite inter les gars, je vous retrouve. Et puis on se dit à tout de suite. Tac tac tac, ça c'est bon, ça c'est fait. Ça aussi. Parfait, nickel. Ah, allez, on décale. Je prends la feuille du coup, feu de bâtiment. Allez. On y va presto presto. C'est quand même assez important le feu de bâtiment. Faut pas se mentir. Allez, c'est parti. Je vais envoyer celui-là. FPT01 se rend sur intervention pour feu de bâtiment arrivé sur place. Je donnerai plus d'instructions avec l'AVL du coup. Allez, hop. Donc il y a déjà logiquement la police municipale sur le coup. En fait, ce serait une voiture qui aurait vu, enfin qui est encore staffée d'ailleurs, à ce qui paraît, qui a vu les flammes et qui s'est arrêtée. C'est gentil de sa part. Sans trop tarder. Pas non plus rouler à fond de balle. C'est pas le but recherché.
Je crois qu'on voit des flammes à travers la tôle. Ouais. Effectivement. Ouais, et bien, police municipale du coup. FPT-01 arrivé sur place avec la VL. Du coup, nous prenons possession des lieux et nous allons faire une reconnaissance déjà. Demande EPA en renfort, merci. On va se mettre là, tant pis. Pour me mettre là pour le coup. Allez hop. Hop. EPA-01 prend intervention du coup suite à la demande de renfort du FPT. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oh là, je vous le jure. Mettre des cailloux des endroits. Alors, mettre des plots blancs. Mettre des cailloux. L'intersection va mieux donner un coup de deux-tons. Là pour rentrer ça va être chaud en plus. EPA-01 arrivé sur place. Ouais, ça va être tendu. On va bouger celui-là, c'est pas grave. Est-ce qu'il est derrière? Bah, c'est pas fait pour faire du tout terrain. Mais...
Vraiment qu'on ait une nouvelle EPA aussi un jour. On va se mettre comme ça. Faut que je voie avec les patins si on sort. Alors logiquement on va pas te déranger. On va faire entrer la VL aussi, ça au moins là c'est sécurisé. Du coup ça c'est le témoin, on s'en fout. Son en ligne électrique parce que là on peut pas non plus trop lever, je sais pas, me paraît assez. J'allais faire une reconnaissance. Hein. Ouais, allez voir. On va mettre la lampe. Une voiture déjà calcinée. De gaz, pas de peinture, pas de dissolvant, pas de produit inflammable explosif, peut-être juste le bidon qui est là-bas. Il est vide. Non, il est vide. Du coup, après la reconnaissance, du coup, pas de produit inflammable, pas de produit explosif. À l'intérieur, il n'y a rien de. Il y a un tonneau, mais il est vide hein, pour le coup. Donc, je pense que c'est dû effectivement, je pense, à un incendie criminel, hein, je pense. Ça a pris juste au niveau du bois. Après, c'est mon avis. Hein. Mais pour moi c'est un incendie criminel, pour le coup, je pense. Allez, parfait. On peut plier bagage, le feu éteint, maîtrisé. Nickel. Okay.